Des camions utilisés pour lutter contre le paludisme, une stratégie mobile qui vise à attirer l'attention des populations dans des zones à risque et à susciter un changement de comportement vis-à-vis du paludisme. Du 2 au 26 juillet dernier, ces camions avec dispositifs visuels et sonores ont sillonné les rues de 13 principales localités du Cavali, du Guémont, de la Nahua et de San Pedro. Les populations ont bel et bien été sensibilisées sur la promotion des mesures de prévention du paludisme. On déploie assez de moyens pour permettre de lutter contre cette maladie. L'achat des moustiquaires, si on ne les utilise pas, ça veut dire que les moustiques vont toujours nous piquer. Cette activité qui a été faite de façon élargie, ça a mené à regrouper plusieurs personnes, ceux-mêmes qui n'ont jamais été touchés, ont été touchés aujourd'hui. Chaque année, les régions de Côte d'Ivoire où sont enregistrés le plus de cas de paludisme sont ciblées par des interventions à haut impact. La sensibilisation par camion podium, initiée et financée par le gouvernement, vise donc à préserver les acquis de ces interventions.